Bonjour et bienvenue sur le plus beau circuit du monde, à Spa-Francorchamps. On a les meilleurs fans ici. Je vous retrouve pour les 25 heures Fun Cup. Si vous ne connaissez pas, c'est peut-être la compétition la plus amusante et la plus drôle de toutes les compétitions du monde. C'est la course la plus longue du monde, ça se passe ici en Belgique, à Spa-Francorchamps. Et comme toujours, la météo fait des caprices. Juste ici derrière moi, vous pouvez voir notre très belle voiture, notre très belle Fun Cup biplace. J'ai bien dit biplace. La numéro 342 de chez Monster Trendy. Dans quelques heures, on va prendre le départ de cette course qui devient légendaire au fur et à mesure des années. Et on espère bien aller les gagner dans notre catégorie, puisqu'on les a gagnés il y a 2 ans, on a terminé deuxième l'année dernière. Bref, on a la pression. Et j'avais envie de vous faire vivre ça un peu de l'intérieur, donc j'ai placé des GoPro dans l'habitacle de la voiture. Et comme je vous le disais, c'est une biplace. Biplace veut dire qu'on prend les passagers avec nous pendant la course. Et ça, c'est la seule course au monde où ça arrive. Je vous montre. Ça, juste ici, c'est le petit coussin de Jean-Pierre pour pas qu'il ait mal à ses petites fesses pendant ses relais. Je vous jure que c'est vrai. Je vous retrouve tout de suite pour le départ. Et voilà, on est en route vers la grille de départ où on va rejoindre Jean-Pierre qui prendra le départ de la course cette année. Probablement sous la drache nationale parce que c'est Spa-Francorchamps et c'est comme ça. Tu sens bien là, Eric ? Oui, je le sens bien. Franchement, c'est le ciel de Francorchamps. On sait que c'est toujours incertain ici. Voilà, on a une belle carte à jouer. Je suis confiant. Allez. Pilote professionnel comme ça, hein. C'est ça. Et nous voilà sur le joyeux bordel de la grille de départ. Joyeux bordel pourquoi ? Bah parce que il y a quand même 130 voitures au départ. 130 voitures sur Spa-Francorchamps, je veux vous dire, c'est pire que Bruxelles en heure de pointe. Il y a environ 600 pilotes qui vont prendre le départ, et comme on a aussi toute une série de passagers qui vont monter dans les voitures, ça fait plus de 1000 personnes qui seront sur le circuit pendant les 25 heures Fun Cup. Et ça, c'est un record. Et voilà, je trouve ça cool quand même. 24 nationalités différentes, des voitures qui viennent du monde entier, des pilotes qui viennent du monde entier, c'est génial. Là derrière moi, il y a la parade historique qui va se mettre en route, qui va faire un petit tour de circuit. Et on va retrouver nos voitures. Donc les biplaces, en fait, prennent le départ depuis la partie ligne droite F1, alors que les monoplaces prennent le départ en bas. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on veut pas qu'il y ait trop de risques d'accrochage avec des voitures dans lesquelles il y a des passagers au départ. Donc les biplaces démarrent ensemble, et disons que entre pilotes biplaces, bah, on sait que les voitures qu'on a à côté de nous sont des voitures où il y a des passagers et qu'on doit être un petit peu prudent. Mais vous allez voir que ça va très vite se mélanger parce que il y a d'excellents pilotes en biplace qui vont vite remonter les monoplaces. Jean-Pierre, comment tu le sens là ? Il sort bien. Tu sors bien ? Toi aussi tu le sens bien ? Donc voilà, comme je vous expliquais, notre ami Jean-Pierre va prendre le départ, et à côté de lui, il a... C'est quoi ton prénom ? Michel. Il a Michel à côté de lui qui va vivre probablement le meilleur moment de sa vie. Je crois que tu dois freiner. Pas grave. Non, tu vas me rouler dessus. Dis-tu. Ça va ? Pas trop chaud ? Fait chaud là. Francis, tu le sens bien ? Ouais, on doit mieux faire que l'année passée. Je pense que on a eu les misères hier, ça ira aujourd'hui. C'est difficile. C'est chaud. Et voilà, ça tourne. Maintenant, tout ce que tu dis est enregistré. Attention aux conneries, hein ? Ouais, je ne fais que ça, moi. Thomas, il en est pour prendre le plaque.
5 tours, le poisson sera tranquille. On vient de passer la première heure de course et évidemment, la pluie est là. C'est déjà safety car, on ne sait pas combien de temps elle va rester en piste. C'est toujours Jean-Pierre au volant, on va le laisser un petit peu. Son expérience de pilote de rallye, à mon avis, devrait l'aider dans ces conditions-là. En tout cas, je pense que le passager qui est à côté de lui, il doit en prendre plein vue pour l'instant. On est, je pense, dans le top 5 de la catégorie. Ça bouge beaucoup, puisque comme c'est une catégorie, on doit changer de passager assez régulièrement. Forcément, le côté stratégie est très important, et en général, on y voit clair qu'après 3-4 heures de course, pour savoir vraiment où on se situe. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. Et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de gros crash, parce que ces conditions-là, avec 130 voitures en piste, c'est vraiment délicat. Allô ? La radio est coupée, on n'a pas pu avoir la radio. Comment est-ce qu'on va faire alors ? Voilà, on vient de passer le cap des 4 heures de course et jusqu'à présent, je pense que c'est le pire début de course d'endurance que j'ai jamais vécu de toute ma vie. La première heure s'est bien passée et puis il a commencé à pleuvoir et on a eu des problèmes techniques avec la voiture, on a pris l'eau, on s'est noyé, on a noyé à peu près tout ce qui pouvait être noyé, les bobines, le boîtier électronique, la radio, donc voilà, pas de radio, la voiture qui est restée au stand pendant près d'une heure, enfin bref, ça a été la galère. Dans notre malchance, on a eu un peu de chance, c'est qu'il y a eu pas mal de safety cars, etc. Donc on a perdu entre guillemets que 11 tours dans l'aventure. 11 tours, c'est beaucoup à Spa, c'est 11 fois 3 minutes, donc c'est 30 minutes. Mais comme on est resté presque une heure au stand, finalement, on limite la casse. Et là, ça tourne maintenant. On espère qu'on croise les doigts, on espère qu'on n'a plus trop de problèmes techniques. On galère toujours un peu avec la radio. Mais voilà, on va juste essayer de remonter. Pour l'instant, on est environ, je pense qu'on doit être 22e dans la catégorie où il y a 30 voitures. Et il nous reste, parce que tout ça s'est passé il y a un peu plus d'une heure, et il nous reste environ 9 tours de retard sur la tête de la classe. Donc on sait qu'on peut remonter pas mal de choses si jamais on est intelligent, mais ça va être très très dur. Voilà. A few moments later. Later. Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche, il est 2h46 du matin et je viens de faire mon premier relais. Je suis resté environ 3 heures au volant de la voiture. Ça s'est relativement bien passé. J'ai pu tout de suite avoir un bon rythme, descendre très fort les chronos. Je suis parti sans passager pour vraiment essayer de cravacher un maximum. Et donc voilà, double relais qui s'est assez bien passé.
l'instant, on est remonté 9e dans la catégorie. On était 14-15e quand je suis monté en piste. Et là, bah voilà, c'est Jean-Pierre qui va partir aussi pour faire un double relais. Et puis on va voir ce que ça donne. On a quand même encore pas mal de tours à rattraper si jamais on veut viser le podium. Mais on va rien lâcher, on va continuer jusqu'au bout. Et moi, je vais essayer de prendre un petit somme là maintenant parce que je suis un peu fatigué. Et je reprends le volant dans 2h15, 2h30. Voilà. Bonne nuit. 3 hours later. Rebonjour tout le monde. Il est 6h30 du matin. Nous avons survécu à la nuit. J'ai fait mon deuxième relais très tôt ce matin. Ça s'est extrêmement bien passé en piste. C'est super frustrant parce que la voiture va super vite. Je suis régulièrement dans les 10 voitures les plus rapides en piste sur toutes les 130 voitures, pas seulement dans notre catégorie. Dans notre catégorie, on est vraiment dans un super rythme. On revient très très fort sur les voitures de devant, mais voilà, il y avait 12 tours, 11 ou 12 tours à rattraper. On en a déjà rattrapé quelques-uns, mais il n'y a pas de secret, on est remonté dans le top 10, on espère remonter dans le top 5 avant l'arrivée. Donc on va continuer à cravacher. Moi là, je vais... Vous l'entendez, hein, je suis un peu fatigué, j'ai un peu donné cette nuit. Je vais aller essayer de dormir un petit peu, mais comme on n'a pas de... On n'a pas de camping-car cette année, donc ce sera ma voiture dans un premier temps et j'espère qu'ils m'ouvriront la loge quand, quand notre équipe pour l'hospitality arrivera. Je vais essayer de dormir un petit peu, de me reposer parce qu'à la fin de la course, je vais normalement faire l'arrivée et l'idée, ça va être de se cracher dans la main et de partir en guerre, quoi. Later. C'est ça qu'on veut. C'est fou, hein. Et attends, 4 balles neuves et des plaquettes, bien faire des 3-0-2, ouais. Ouais, tant mieux. Safety. Tu restes en piste, on est encore trop proche pour rentrer. Tu restes en piste. Je crois qu'on n'aura jamais autant de Greg. Je te dis, deux tours après nos stops à chaque fois. À chaque fois, on s'arrête et deux tours après, il y a Je pense que le mieux, c'est A lot of boring math later.